You watch me.
à bénir ses enfants avec moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as voulu naître parmi les hommes et reposer petit enfant dans les bras de la Vierge Marie. Bénis ces enfants que leurs parents ont apportés ici. Fais-les grandir en âge, en sagesse et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes et accorde-leur à leurs parents de pouvoir toujours se réjouir dans leurs enfants. Toi, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête à tous. Merci. Chance. Nous allons directement passer la parole au Père et Père, nous accueillons à chaud, Père. Alors, chers enfants, nous sommes une fois de plus heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que nous voulons honorer une tradition. C'est nous à la Cato, pour les enfants de la Cato et pour les futurs étudiants de la Cato. Nous voulons remercier vos parents qui ont pris de la peine pour vous préparer à cet événement. Nous souhaitons que vous grandissiez en âge et en sagesse comme Jésus qui est le Fils de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est tout simplement de souligner l'importance de cette fête. Dieu a accepté de venir habiter notre humanité et nous sommes heureux de l'accueillir. Nous avons fait des efforts au cours de l'année qui s'achève et surtout au cours de l'année qui commence d'imiter le petit Jésus. Il faut imiter le petit Jésus. Lorsque vous posez la question de savoir ce que vous pouvez faire dans une situation donnée, il faut toujours vous demander si Jésus avait été à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et vous l'imitez, et vous n'allez pas louper, n'est-ce pas, votre relation avec lui. Donc, aux parents, merci, aux enfants, bonne fête, oui, soit Jésus-Christ. Les enfants de Pâques. Nous voici donc réunis pour ce grand jour solennel. Chers pères recteurs, pères directeurs, tous nos invités en vos grades, titres des rangs, respectés. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette triste salle de l'amphi pour ce moment solennel de partage de la joie, de la célébration de la joie de l'enfant de Jésus. Nous avons été très touchés par la grande confiance que le Père a bien voulu accorder à quelques-uns d'entre nous à qui il a confié la lourde responsabilité d'organiser cet événement. Je ne sais pas, Fatima, comme vous le savez. Et vous savez, avant que je vous présente notre superviseur général, on a un adjoint superviseur, l'incontournable de taille de la maison. Tout ce que vous avez vu là,
le grand boss, le superviseur général, vous avez choisi en tant que responsable de l'autre. Alors, le superviseur. Chers parents, vous laissez les enfants ici.
parents.